Bonjour, bonsoir. Je fais une vidéo pour les notes expressions, pour ceux qui veulent comprendre qu'est-ce qu'une note expression et qu'est-ce qu'on peut faire sur un morceau et voilà, pourquoi, qu'est-ce que ça peut apporter. Alors, je ne vais pas montrer tous les réglages possibles des notes expressions, mais les notes expressions, donc voilà, je crée un conteneur MIDI. Dans ce conteneur MIDI, j'ai des notes MIDI. J'en ai, voilà, alors on voit pas trop, j'ai un La, ok. Sur la palette de gauche, on a expression map, note expression, édition d'accords, les types d'accords, tout ça, quantifié, transposé, voilà. Donc, note expression, quand on revient dans notre expression, on les sélectionne, comme ça, ou alors vous cliquez ici, vous faites afficher tous les paramètres, voilà. Vous avez tous les paramètres qui s'affichent. Et donc, pour être plus probant, vais passer là. Voilà, je vais prendre le pitch blend. Je sélectionne un pitch blend. Je suis sur ma note MIDI. Je double-clique dessus. Et directement avec le pitch blend, là, je sélectionne par exemple une parabole, une ligne ou un sinus. On va rester en parabole. Et là, hop, hop, voilà, j'ai créé automatiquement un... Vous entendez bien la petite différence ici. Et là, par exemple, celui-là, je vais le mettre vers le bas. Voilà. On entend bien que le pitch a été modifié là. Et vous pouvez faire ça pareil avec la balance, le pan, tout ce qui pilote les instruments MIDI. Voilà. Bien, et avec les volumes aussi, le cutoff également. Et on peut changer le contrôleur par exemple du cutoff. Voilà, là je mets le contrôleur CC2. Si je veux mettre le 103, contrôle 103, je le mets ici pour le cutoff et ça va bouger le 103. Moi je le laisse en modulation, contrôleur CC1. Voilà, configuration du contrôleur MIDI. Voilà, là on peut glisser tout ce que l'on souhaite dans la liste. Et par contre, action d'acquisition d'assignation MIDI pour les paramètres de nos expressions sélectionnées. Oui, ça c'est pour les sélectionner avec les VST et autrement, assignation des contrôleurs MIDI. Ok. Bon, j'espère que ce tuto vous a aidé pour une note expression. Donc, vous pouvez arriver par la suite à faire des choses assez tordues. Et l'avantage de ces notes expression, c'est qu'après le conteneur, une fois qu'il l'est fait, là je prends par exemple la première. Voilà, je prends la première mesure, je coupe à la mesure. C'est juste à titre d'exemple. Donc là, j'ai bien qu'une note, cette note que j'avais triturée avec quelques. On entend bien, voilà, toutes les modulations. Cette note, du coup, si on la copie, on copie bien évidemment à chaque fois la modulation qui est ancrée sur la note. Voilà, bien, bonne utilisation et à bientôt pour un. Notre tutoriel sur les pistes d'accords ou autres.